Cette retraite à Ouidah fait suite à la réorganisation des services et directions à la mairie de Cotonou. Objectif, transformer le groupe diversifié en une équipe performante au service de la ville économique. Nous allons revoir un certain nombre de choses relatives d'abord à la vision, aux objectifs, aux rôles et responsabilités de chacun et de tous. Et puis, avec cette obligation impérieuse qui nous est faite de servir davantage, avec plus d'efficacité, les Cotonois et les Cotonoises. Pour que l'année 2017, qui correspond quand même à la deuxième année de notre mandat, soit une année au cours de laquelle nous allons, prendre notre rythme de croisière. La vision du maire Léa Dissoglo pour les Cotonoises et Cotonoises doit se traduire dans leur vécu quotidien, à travers notamment la salubrité, l'assainissement, la mobilité urbaine, les espaces verts, l'aménagement des sites de loisirs, l'état civil et autres. Ce que la mairie attend de ses administrés. De nous faire confiance, de continuer à nous soutenir et s'il plaît à Dieu, nous transformerons effectivement le visage de notre ville pour en faire une ville à l'instar des grandes villes de la sous-région, hein, Dakar, Abidjan, Douala. C'est possible, s'il plaît à Dieu, on va le faire. Les travaux de cette retraite durent 2 jours.